Vous avez passé une année 2009 difficile comme la plupart des entreprises du marché. Quelle est votre opinion quant à une éventuelle reprise en 2010 et quelles sont les mesures que vous comptez prendre? Alors écoutez, déjà il a fallu prendre des mesures pour passer 2009. 2009, c'était la première année pleine de récession. C'est une récession qu'on a vu venir depuis le printemps 2008, assez progressivement, mais avec une décroissance très rapide. Donc on a déjà dû prendre des mesures dès 2009, du côté des charges qui auront leur plein effet cette fois-ci sur l'année 2010. Même si on s'attend à une année 2010 qui soit moins bonne, on pense quand même que la baisse d'activité sera moins forte en 2010 qu'en 2009. Voilà, donc une année de récession pleine, une année 2010 s'annonce moins favorable, mais avec une baisse moindre et puis un effet plein sur les charges. On ne va pas parler de reprise 2010, on peut peut-être envisager 2011. Pour l'instant, on va dire, on arrive vers une fin de crise, un niveau bas qui sera peut-être le niveau auquel on restera. On ne sait pas si on restera 1 an, 2 ans ou 10 ans. Et d'ailleurs, suivant les pays, ça pourrait être 1 an, 2 ans ou 10 ans. Donc on ne va pas spéculer sur une reprise. On peut simplement maintenant arriver, compte tenu de l'ampleur de la crise, spéculer sur une fin de crise et un tassement et un niveau qui sera peut-être le nouveau niveau de référence par rapport à cela. Donc une année 2010 qui sera encore très incertaine, difficile à gérer tant qu'on n'atteint pas des niveaux bas, c'est toujours compliqué.